Avant de commencer cet épisode, je voudrais du fond du cœur remercier le studio Majorel qui m'accueille encore une fois aujourd'hui dans toutes mes aventures multiples. Ils ont le matériel que je n'ai pas, ils ont l'énergie que parfois je n'ai pas, ils me secourent dans toutes mes idées les plus folles. C'est un lieu agréable où je me sens bien et qui pratique des prix qui sont très raisonnables, très humains, j'ai envie de dire. Donc si vous voulez en savoir plus, c'est sur studiomajorel.fr, je vous invite à y aller et ils répondront à toutes vos questions. Bouche à bouche. Ta bouche, leur bouche, sa bouche, ma bouche, ses bouches, des bouches. Bouche à bouche. Un podcast de rencontres artistiques. Bonjour Marielle. Bonjour Gauthier. C'est tout formel, c'est tout mignon. Ça me fait très très plaisir de te recevoir et tu es la deuxième artiste québécoise, en tout cas âme artistique québécoise, qui vit au Québec, que je Oui, reçois. c'est dit au Québec. Je dirais, j'ai pas encore la citoyenneté chou, mais bientôt, bientôt. Bientôt, mais tu vis au Québec, donc bon, ça fonctionne quand même. Exactement. Tu le sais, donc avant même de commencer, je vais te demander de définir un mot, voilà, selon ton envie du moment. Pour toi, qu'est-ce que représente le mot amitié? Oh. Est-ce que j'ai 3 secondes pour réfléchir un Ah, petit même 10, hein, on peut méditer sur le mot amitié. Non, non, vas-y, il n'y a pas de souci. Ok, amitié. Pour moi, l'amitié, c'est avant tout du partage. Du partage avec qui invoque des sentiments aussi. Le cœur qui bat, je trouve ça vraiment un beau mot. Mais ouais, partage, sentiment, bien-être, famille, c'est comme un entourage qui apaise. Et voilà, pour moi, c'est ça. Tu dois avoir de bons amis alors pour dire tout ça. J'essaie. C'est ma petite famille, c'est ma deuxième famille en fait, c'est Oui, ça. la C'est famille comme qu'on ça que je choisit. considérais des... Exact. Bah écoute, merci, c'est une belle définition de ce mot. Et puis pour rentrer donc tout de suite dans le vif du sujet, Marielle, toi, tu as été très vite attirée par le cinéma, parce qu'on s'est connus il y a un petit bout de temps, ça te plaisait, mais quoi faire? Je ne sais pas si c'était très clair. Est-ce que tu avais un but vraiment dans le cinéma, un rêve où tu te disais je veux être réalisatrice, en tout cas dans les premiers temps, est-ce qu'il y avait ça ou c'était juste une envie de cinéma? Je vais sûrement en fâcher plusieurs parce que je vais dire que personnellement, je n'ai pas été une cinéphile depuis ma jeunesse. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, moi j'ai choisi de faire du cinéma parce que j'étais très attirée par tout ce qui est théorique. Voilà. Moi, pas du tout. En fait, c'est par hasard que je suis tombée dans le cinéma. J'étais pas très bonne à l'école, mettons. Et c'est comme la seule matière que c'était comme accessible puis que je trouvais intéressante aussi. Donc, je me suis un peu lancée dans ce milieu-là à bras ouverts en me disant, écoute, c'est comme ma dernière chance d'obtenir mon diplôme, donc Marielle, vas-y. Mais vu que j'étais pas justement une cinéphile, je connaissais absolument pas les métiers, je connaissais pas les rôles, je connaissais pas ce que ça impliquait. Donc, j'avais pas d'objectif vraiment. J'étais juste intéressée et ouverte à apprendre. Et c'est sûr qu'au début, j'étais comme tout le monde, je voulais devenir réalisatrice parce que c'est comme celui que tout le monde, comme c'était la voie plus facile puis la plus connue aussi pour une jeune fille de 15 ans. Tout le monde parle de réalisateur, mais personne ne parle de l'équipe technique qui est en dessous. Donc, ouais, j'ai commencé par vouloir être intéressée par ça. Mais bon, au fur et à mesure de la discussion, tu verras bien que ça a Bah bien changé tout ça. oui. C'est plus du tout.
Ben oui, effectivement, après, c'est aussi la représentation de ce milieu-là. On voit les comédiens parce qu'ils sont devant la caméra, donc c'est l'objet du film. On parle du réalisateur puisque c'est lui qui les choisit et qui les met en scène et il y a un peu de lumière. Mais effectivement, tu as utilisé un terme, tu as dit l'équipe technique en dessous. Et c'est, tu vois, même si tu en fais partie, c'est triste parce C'est que ça. tu dis en dessous alors qu'en fait, non, c'est l'équipe technique avec. Parce que le Exact. mec seul ou le comédien seul, enfin, moi j'ai fait les C'est rien. deux. Je suis rien sans un bon partenaire, sans un bon metteur en scène. Et quand je fais de la réalisation ou de la mise en scène, je suis rien sans mes comédiens, mais rien sans ma lumière, rien sans mon monteur. Ce qui vient à, Exact. petite transition. Non, ce qui vient à la deuxième activité, parce qu'il y a un moment donné, je sais que ça t'occupait quand même pas mal de faire du montage. Et c'est très intéressant parce que moi, quand je fais de la réalisation, pour moi, il y a le son qui est primordial. C'est vraiment, je vis mon film avec le son en premier. Et après, il y a le montage qui est vraiment pour moi l'écriture finale du film. Donc, c'est vraiment deux étapes qui pour moi sont primordiales. Et je sais que pas tout le monde le partage. Mais du coup, ça m'intéresse de savoir pourquoi tu t'es lancé dans le montage et est-ce que tu ressentais cette importance, parce que pour moi, je crois que c'est vraiment primordial, en tout cas pour les films que j'aime, de réécriture, en fait, vraiment de finalisation de l'écriture d'un auteur. C'est vrai que quand tu parles de réécriture, c'est vraiment ça. Le montage, c'est ce qu'on appelle la troisième réécriture. Donc, tu sais, y a d'abord le scénario, ensuite il y a ce qui se passe au tournage, et après il y a ce qui se passe au montage. Donc, ouais, c'est vraiment une réécriture. Mais ouais, pour suivre le cours de l'histoire, écoute, à Montréal, faire mes études de cinéma en 2015, et on avait la chance dans le programme, c'est que deuxième année, pardon, tu pouvais te spécialiser. Donc, tu avais soit le choix réalisation, soit direction photo, soit montage. T'as fait quelle école? Et à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, en programme cinéma. Et donc, j'avais la chance d'avoir entendu que la prof de montage, même j'en avais entendu parler quand j'étais encore en Europe, d'ailleurs, c'est Louise Surprenant. Si jamais quelqu'un veut suivre mon chemin, allez-y. Les yeux fermés, c'est vraiment une prof géniale. Tu peux répéter Mais son nom parce que je l'ai pas bien entendu. c'est Louise Surprenant. Louise Surprenant. Malheureusement, je pense qu'elle a arrêté à cause de maladie. Mais D'accord. peut-être qu'elle va reprendre, je ne sais pas. Mais ouais, donc moi, au fur et à mesure de mon parcours académique à l'université, je me suis de plus en plus intéressée au montage parce que ma prof était géniale et parce que ma prof m'a inspirée à devenir monteuse. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette branche-là. Puis même avant, j'étais très intéressée parce que je trouvais que c'était une belle manière d'écrire, entre guillemets, donc de réécrire, comme on disait tantôt. Et voilà, donc je me suis retrouvée dans ça et Est-ce que j'ai continué. Ouais. oui, Vas-y. mais donc à ce moment-là, donc en fait c'est un peu encore une fois, on dirait que tu te laisses à la dérive du cinéma, mais c'est bien parce que du coup tu explores des choses et donc tu as pu l'explorer, tu as fait pas mal de montage quand même pendant un bout de temps, non? Combien de Exact, j'ai temps? fait pendant les 3 ans de baccalauréat, c'est quoi? L'équivalent en Europe, c'est 3 ans De licence, je crois. ouais, c'est ça. On pouvait faire plusieurs films étudiants. Donc après, je te dis que la qualité, c'est pas non plus Oui, faire des films étudiants, mais mais c'est de c'est un excellent exercice. l'expérimentation. C'est ça. Et est-ce C'est que, un excellent exercice. ouais, bien sûr. Et est-ce que toi, parce que pareil, on va me dire, mais pourquoi rencontre artistique? Moi, j'ai ma réponse et la réponse c'est oui, mais tu seras peut-être pas d'accord. Est-ce que pour toi, un monteur, c'est un artiste en fait? Est-ce qu'il a une place dans la création artistique ou est-ce que non? On fait la dichotomie technicien-artiste, selon toi. C'est pour vrai, c'est ça qui m'a aussi beaucoup plu dans ce métier-là, c'est que c'est vraiment une alliance entre les deux, le côté artistique et le côté très technique aussi. Parce que tu occupes une place de choix auprès du réalisateur. C'est avec lui que tu discutes de choses beaucoup plus créatives, que tu as des discussions justement artistiques, comme tu dis, parce que tu bâtis une histoire avec des mots, mais avec des images aussi.
Et ça, je trouve que c'est la base de toute créativité. Et c'est sûr qu'après, à côté de ça, tu as tout ce qui est technique, faire du son, de la colo, même le logiciel de montage. C'est très technique. Mais ce qui est beau à l'intérieur de ce métier-là, c'est que tu peux vraiment t'exprimer à travers des discussions, puis des choix. Enfin, c'est pas juste des images, c'est pas juste des coupes. C'est vraiment, c'est ça, c'est un choix des deux cerveaux ensemble. Genre, c'est ça. C'est une collaboration artistique. Et c'est aussi, comme on disait, une troisième écriture et aussi un style. Tu vois, un auteur de roman, tu vas demander à Amélie Nothomb ou à, je sais pas, un autre auteur. Dis-moi un auteur. Attends, je regarde mes livres à côté. Amélie Nothomb, c'était mon seul choix. Ah merde. Non, mais. Albert Camus. Albert Camus de traiter La Peste, par exemple. Ils vont pas le faire de la même manière. Et je pense qu'un monteur, c'est pareil. C'est une sensibilité, c'est un sens de la rythmique. C'est deux monteurs face aux mêmes images, au même rush, comme on aime dire. Ils voient pas le même film. Et comme deux metteurs en scène ne verront pas la même pièce. Donc il y a vraiment, pour moi, une partie artistique, quoi. D'ailleurs, je vais en profiter pour glisser un mot. Bien sûr. De ma prof Louise Soprenant. Une chose qu'elle m'a dit, quand tu sais que tu as bien réussi ton montage et que tu t'es enfin découvert ta ligne directrice narrative, c'est quand tu as réussi à monter. Alors, c'est très cliché, il y en a certains qui vont sûrement rire, mais c'est quand tu ressens que tu as monté avec ton cœur. Tu t'es épanoui dans ton montage et ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Oui, tu as raison parce que. Chaque monteur est différent, c'est pour ça qu'il y a des collaborations qui marchent très bien ou d'autres non. Mais en tant que monteur, tu t'es réussi bien quand tu sais que ton travail, tu l'as fait avec ton intérieur, ton esprit puis ton cœur. Et voilà. Oui, on peut trouver ça cucu, certes, mais en même temps. Sûrement. Mais en même temps, il y a un aspect, c'est ça que je trouve, c'est de la technique, mais il y a un aspect émotionnel en fait. Enfin, en tout cas. J'imagine qu'il y a des monteurs qui sont très pragmatiques, qui disent voilà A plus B égale C, moi je sais que ça fonctionne, mais j'ai l'impression quand même dans le cinéma d'auteur, dans beaucoup de choses que moi je fréquente, qu'il y a quand même une vraie notion de sentiment et d'émotionnel. Toi, tu l'as pratiqué, donc tu as fait du montage, et puis tu t'en es éloigné, pourquoi ? Encore la dérive ou est-ce qu'il y a eu un choix, une volonté de faire autre chose ? Un peu des deux, t'as raison. Parce que je pense que oui, je vis beaucoup avec l'instant présent. Et donc, ouais, la dérive, ça m'arrive très souvent. C'est une bonne chose dans la vie. Mais je pense que c'est ça. En sortant de l'école, c'est quand même un milieu très difficile. Justement, pour revenir un tout petit peu sur ce que tu disais avant, c'est qu'il y a des monteurs très pragmatiques. Ça fonctionne très bien en publicité, en Et moi, j'avais beaucoup du mal parce que ce qui m'intéressait le plus, c'était la fiction, c'est le documentaire. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de jobs. Les places sont chères. Les places sont très chères. Et les seules places, mettons, de disponibles, c'était justement publicité, en corpo, ou des choses que j'étais prête à prendre. Parce qu'en sortant de l'école, tu as besoin d'argent, tu as besoin de te faire un nom, tu as besoin de... Voilà. Et le temps passe super vite, donc il fallait que je me dépêche de trouver un travail. Et en fait, toutes les portes se fermaient devant moi parce que j'avais pas assez d'expérience, justement, en publicité. Où j'étais trop une fille, j'avais trop fait du cinéma d'école et les gens, ça leur plaît pas. Donc je me suis vite vue à travailler il fallait que je trouve une solution. Pour gagner ta vie. Donc quand je voyais que ça fonctionnait pas, et ben j'ai mis ma vie en pause pendant un an. T'as fait quoi ? J'ai travaillé dans une charcuterie fromagerie pendant un an. Donc voilà. Et tous mes amis aussi monteurs, c'était vraiment une année très difficile pour tout le monde parce qu'on avait tous les mêmes objectifs dans notre vie, mais au final on était très loin de nous. Mais maintenant, il y en a qui se sont super intégrés, et puis ça, je trouve ça génial, je suis très contente pour eux. Mais moi, voilà, il fallait que je trouve une solution, et vite, parce que c'était assez déprimant de
devoir passer de un rêve à une réalité. Bien sûr. Et c'est ça, il s'est trouvé que, je regardais les annonces sur Internet et j'ai vu passer cette annonce pour travailler pour un festival de cinéma qui s'appelle le Festival du Nouveau Cinéma de Montréal, le FNC. En tant que, dans quel poste, ouais? Il cherchait une adjointe administrative. Donc, c'est vraiment l'équivalent de secrétaire. D'accord. Et que... Est-ce... Ouais. Pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Mais en gros, une adjointe, donc direction administrative, c'est ça que tu disais? Adjointe administrative. D'accord. Et effectivement, donc toi, à ce moment-là, on recapitule, tu as travaillé dans cette charcuterie, fromagerie, et tu te dis, j'essaye de penser à ta place, mais et tu te dis, bon, bah, là, ce n'est pas vraiment l'artistique de fou, mais en même temps, ça me rapproche d'un rêve qui est celui du cinéma, c'est ça? Exact, exact. Okay. Je me suis dit, si la post-production, ça ne marche pas pour moi, ok, je l'aime, mais en ce moment, à me mettre des bâtons dans les roues, je commence un petit peu à ralentir. Il fallait que je trouve une solution rapide. Et je me suis dit, ok, Maria, qu'est-ce que tu es bonne à faire? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Et là, en voyant cette annonce, j'étais comme, ok, bah, moi, le rôle d'une secrétaire, ça me va, j'ai les capacités. Et en plus, c'est ça, ça me rapproche du monde du cinéma parce que c'est un festival, en plus, de cinéma. Donc, ok, ça peut être une opportunité, ça peut être un job. C'était un contrat de 1 an, donc ça me permettait de pouvoir réfléchir bien sûr à la suite des donc, choses, de rencontrer des gens, et c'est ça que j'ai accepté. Ça, tu l'as fait? Ouais. Et donc, ça, est-ce que le poste a évolué? Est-ce que tu as pu prendre des parties plus artistiques ou pas du tout? Pendant cette année, j'ai beaucoup travaillé. Et en fait, ce qui est bien avec ce poste d'adjointe, de secrétaire, on va dire, c'est plus simple, bien sûr. C'est que tu es vraiment au centre de tout le festival. Donc, tu communiques constamment avec tous les départements. Donc, il y a la programmation, il y a la production, il y a l'administration aussi, il y a les communications. Donc, c'est vraiment comme un microclimat où tu coordonnes absolument tout. Et donc, ça m'a permis de rencontrer des gens, ça m'a permis de voir ce qu'eux faisaient. Et même moi, de me découvrir. Donc, ce qui a été très apprécié et que mes collègues me disent encore aujourd'hui, c'est que j'étais très polyvalente. Donc, ça, c'était très intéressant pour moi, mais autant pour moi que pour eux. Bien sûr. Donc ça, pendant 1 an, j'ai aidé tout le monde. Donc, j'ai fait de la com, j'ai fait la programmation, j'ai fait la production, comme j'ai dit tantôt. Donc, tu as beaucoup appris et ça t'a permis de t'enrichir, quoi, en fait. C'est ça. Et même de pouvoir... C'est bien aussi avec le monde du festival, c'est que tu rencontres beaucoup de gens. Les festivaliers, en général, c'est des gens qui viennent à la fois de l'international que du national. Il y a des réalisateurs, il y a des producteurs, il y a des distributeurs. Donc, c'est vraiment tout le cinéma qui est à un endroit, tous en même temps. Donc là, c'était mon occasion pour faire des contacts. Bien sûr. Et donc, tu t'en as profité. Et est-ce que tu es ressorti de là en te disant... Bon, ben, finalement, peut-être que la post-prod, tout ça, je vais voir, on verra, mais je vais continuer dans ce réseau pour essayer de le comprendre, d'avoir des contacts et puis peut-être revenir à l'artistique concret plus tard. Qu'est-ce que tu as fait après ça? Exactement. C'est ça. Je me suis dit, je vais voir si la post-production me manque. Oui. Et au final, au bout de cette année-là, je ne l'avais même plus en tête. D'accord, donc, donc là, je me suis dit, ok, je pense que j'ai vraiment fait une... Bon, pas faire une croix, parce que c'est quand même un métier que je respecte beaucoup. Et j'ai aussi accepté de faire des petits contrats pour mes amis pendant cette année-là, genre des vidéoclips. Donc, ça me gardait quand même un pied dans le milieu. Mais tu t'épanouis plus dans la coordination d'événements, peut-être, plus que... Voilà. Exactement. Je me suis vraiment épanouie. Et puis, j'ai grandi énormément, j'ai pris confiance en moi. En travaillant dans ça, parce que je trouvais que le métier de monteur, pour moi, c'était peut-être trop isolant, parce que tu restes des mois et même des années parfois avec ton réalisateur dans une pièce, à travailler sur un même projet pendant des mois, et je trouvais ça très, très dur, peut-être pour moi qui, à cette époque-là, avait besoin de justement d'aller vers les autres. D'aller vers les autres. Et de faire plein de projets, parce que j'aime ça, être polyvalente, faire plein de choses en même temps.
Je me suis dit, ok, bah, peut-être que là, je m'embarque dans quelque chose qui me correspond pas en ce moment, à mon âge. Peut-être que quand je serai un peu plus âgée, puis j'aurai Oui, bien sûr, les portes, elles ne sont pas fermées. Mais donc, ça, donc j'ai dit, on fait cette pause. Si elle dure un an, elle dure un an. Si elle dure plus de 100 ans, voilà. Et c'est ce qui est en train d'arriver, c'est que... Qu'est-ce qui arrive, dis-moi. Maintenant, j'ai plein de nouveaux projets vraiment intéressants. Après cette année au Festival du Nouveau Cinéma, parce que le monde du festival, c'est souvent des contrats. D'un an ou ça dépend ? Non, c'est 6 mois, maintenant. 6 mois, ok. Donc là, c'est fini, après, tu pars sur un autre projet ou tu en as déjà eu d'autres déjà ? J'en ai déjà eu d'autres. Ok, et toujours... Je vais faire la luminaire. Vas-y, alors dis-moi qu'est-ce qui a été après ? Qu'est-ce que après le Festival du Nouveau Cinéma, j'ai appliqué pour un poste à Québec Cinéma, qui est un autre festival de cinéma, qui lui se spécialise plus dans le vraiment projeter le cinéma québécois. D'accord. Donc c'est vraiment une grosse fondation, c'est une équipe beaucoup plus grosse. C'est La Forge, non? C'est ça. Donc en fait, ce festival-là a reçu financement de Netflix. Alors, oui. En fait, si Netflix ne paye pas l'impôt, mais ils doivent en contrepartie donner de l'argent à des institutions publiques, notamment les festivals. Festival ou festival? Tiens, je ne sais même pas si on festival, dit ça. Festival, je pense. Ouais, voilà. Et donc, il s'avère que Québec Cinéma a reçu de l'argent de Netflix et ils ont décidé de créer un projet qui s'appelle La Forge. D'accord. La Forge, qui est en fait une fabrique culturelle où on sélectionne des réalisateurs émergents afin qu'ils écrivent leur premier long métrage. D'accord. Donc, on leur offre une résidence créative. Donc, on part au chalet. C'est super cool, un super beau lieu où là, on fait venir tous les candidats et ils ont des classes de maîtres avec à la fois des producteurs, des réals, des directeurs photos, donc plein d'artisans, souvent des Québécois. On a eu deux internationaux cette année qui sont venus exprès pour nous. Et donc, pendant une semaine, on a vécu dans cette résidence ensemble. Et à la fin de tout cela, ils devaient présenter un pitch durant le festival, devant des producteurs. D'accord. Comme un pitch de premier long métrage. Et il y avait un gagnant qui gagnait une bourse. Pour produire son nom. Pour produire son nom. Ok. Et comment ça m'intéresse. Du coup, toi, tu es à la coordination de tout ça. Exact. Ouais. Et comment les gens sont sélectionnés? Comment les réalisateurs sont sélectionnés pour avoir déjà, ne serait-ce que la résidence d'écriture? C'est des gens qui ont déjà fait des choses. C'est comment ça se passe? Il faut que tu aies déjà fait des courts-métrages. Mmh. Donc voilà. Ça fonctionne par soumission. Donc, on D'accord. reçoit des soumissions. Il y a un comité de sélection qui est engagé juste pour ça, qui va lire tous les dossiers. Et à la fin, il y a comme un... On en garde... C'était 6 duos, donc 12 personnes au total. On en garde 6. Mais on ne te demande pas d'être le futur Denis Villeneuve. Là, on te demande juste d'avoir fait des courts-métrages que tu peux nous montrer ton portfolio, en fait. D'accord. D'accord. Donc, voilà. Très bien. Et donc là, toi, donc coordination de cette chose-là. Ouais. Et oui, je voulais te poser la petite question. Vous n'avez pas reçu des critiques du fait que ce soit justement Netflix et que bon, le cinéma et Netflix, ils sont un peu en guéguerre. On a vu au Festival de Cannes, notamment l'année dernière. Est-ce que les réactions sont positives du fait qu'un festival de cinéma québécois soit financé par Netflix, qui est quand même un énorme concurrent du cinéma en salle? Exact. Je t'avoue que les gens ont fait profil bas. Là. Je veux dire, il n'y a pas eu de grosses critiques. D'accord. On était quand même très heureux. Mais de notre côté, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est on a invité un gros distributeur québécois. D'accord. Afin que lui aussi puisse donner son point de vue pendant la résidence. Donc, on voulait montrer aux candidats qu'il y avait plusieurs possibilités aussi, que tout ne finisse pas en ligne sur Netflix. C'est un peu dommage. Et que le cinéma québécois est émergent, pardon. Donc, y a plein de possibilités. Mais bon, on a conscience aussi que Netflix est un gros... Il mange tout ce qui
Ouais, sur son passage, donc faire mais. attention. Mais oui, c'est ça. Mais en fait, c'est compliqué de se positionner parce que ça offre aussi la chance à certaines personnes qui pourraient C'est pas ça. l'avoir. Mais il faut trouver l'équilibre. Je pense qu'on est à un moment un peu charnière où les salles ont forcément très peur de plus rien avoir à se mettre sous la dent et de plus avoir de financement aussi. Et d'un autre côté, en plus avec tout ce qu'on vit là, tu vois, la quarantaine du coronavirus qui est internationale, je pense que c'est un énorme coût pour les distributeurs, enfin pour tout notre milieu. Et il faut en sortir. Et je pense, moi j'espère, et tu vois, quand je vois des initiatives comme ça, je me dis, je pense qu'il y a peut-être moyen à ce que les deux s'enrichissent. Alors peut-être qu'il y aura un peu moins de gens en salle, mais que Netflix soit pas si bête que ça et qu'ils ouvrent aussi ce champ-là, donc faire des festivals de cinéma, tout ça. Et là, grâce à ce financement, on a réussi à. Enfin, il y a un futur long métrage québécois qui va être produit par une boîte de production québécoise qui va sortir. Donc, c'est quand même, on reste dans le local. La bourse, au final, n'était que de 2000 pièces, je pense. Donc, c'est pas un gros financement. C'est vraiment juste une aide pour pousser un peu. Mais tout ce qui va entourer la technique, c'est du local, C'est c'est du d'ici. québécois. Donc, c'est quand même enrichissant pour la culture et le cinéma québécois. Toi là, donc t'as travaillé pour ça et l'avenir, l'évolution, est-ce que tu sais ou est-ce que encore une fois, ah la dérive. La dérive, je pense que Qu'est-ce que tu fais? Je c'est le mot que dérive, voilà, tout simplement. Mais c'est joli, c'est très beau. trouve ça magnifique, vraiment, mais je l'aime, ce mot. C'est très positif, je trouve. Mais du coup, Mais qu'est-ce qu'il en est? qu'est-ce qu'il en est? Ben, en fait, depuis le début, je t'ai pas parlé d'une personne qui compte énormément pour moi dans mon parcours et qui m'a beaucoup aidée. C'est ma collègue Émilie Poirier. Émilie Qui, Poirier. c'est elle qui m'a permis de rentrer à la Forge D'accord. et c'est elle qui m'a permis d'avoir le poste que j'ai en ce moment. Super. C'est vraiment quelqu'un qui m'a donné et qui a vu en moi du potentiel quand j'avais besoin de prendre confiance en moi. Je peux te demander si cette personne-là est plus âgée, enfin, dans le sens, quelle position elle a face à toi? C'est une amie ou c'est comment? Vous connaissez d'où Elle quoi? travaillait au FNC, au Festival de Nouveau. Enfin, elle travaillait à ma première job pour essayer D'accord. de clarifier les choses. Oui, Elle oui. travaille au FNC, puis elle travaille à Québec Cinéma. C'est connu D'accord. quand j'étais agente administrative. Mais à l'époque, on se côtoyait pas trop souvent parce qu'on avait beaucoup de travail, en bref. D'accord. Puis quand elle a su que je cherchais une autre job pour l'hiver, pour mon contrat d'hiver, et que j'allais appliquer à la Forge, elle m'a dit, écoute, moi, j'ai été prise pour le poste de responsable, la Forge. J'ai besoin d'une cordeau. Viens avec moi, j'embarque. J'ai confiance en toi, tu vas être bonne. Donc là, j'étais comme, OK, parfait. Donc j'ai pu intégrer la Forge grâce à elle. D'accord. Et Donc c'est une là, collègue, quoi. c'est une collègue et maintenant c'est devenu une grande amie. Je lui dois pas mal de choses. Mais elle le sait très bien. Je la remercie tout le temps. Enfin, bref, une Merci, dérive. hein. Tu vois, une Merci. Je dérive encore. te remercie aussi. Non, mais c'est bien, il faut être reconnaissant. Tu sais, si on s'entraide pas, Il y si a on moins de s'entraîne pas choses. entre pensionnés, ça fonctionne pas. C'est ça. Mais du Et coup, maintenant, tu. on revient à la question initiale qui est et le futur, comment on le vit, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que t'es bien où t'es, et on verra que, voilà, qu'est-ce qui est prévu là? Donc, c'est ça. Après la Forge, Ouais. Émilie m'a recontacté pour me dire, viens avec moi, on retourne au Festival du Nouveau Cinéma. Je te D'accord. veux en tant que coordonnatrice des courts-métrages et des rencontres du cinéma étudiant. Donc moi, Super. j'étais comme génial. Si j'étais agent administratif, je passe à cordeau de programmation. C'était comme un rêve. Et Donc. concrètement, Marielle, qu'est-ce que c'est que faire de la coordination de courts-métrages et rencontres étudiants dans un festival? Ça consiste en quoi? Alors, c'est recueillir les soumissions des étudiants, des jeunes cinéastes ou plus expérimentés aussi, qui présentent leur court-métrage. C'est assurer le bon fonctionnement entre les départements. Je te fais ma description de tâche, c'est drôle. Ben non, mais parce C'est que vraiment on sait côté. pas, nous, enfin je veux dire, C'est vrai. c'est mystérieux, les festivals de cinéma, ça fait rêver beaucoup de cinéastes, mais on n'a pas accès aux coulisses en fait. Exact.
Mais comment ça se passe en deux, trois mots? Une équipe de programmation, tu as le responsable de la programmation qui lui s'occupe beaucoup plus de regarder les films, sélectionner, faire des programmes de courts-métrages ensemble, par exemple, dans mon cas. Donc c'est vraiment plus côté artistique et oui, artistique, on va seulement s'arrêter là. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est plutôt technique, donc c'est vraiment avoir prendre contact avec les gens, recevoir leurs soumissions et les transmettre à ma responsable pour qu'elle regarde les films avec un comité de sélection. Bref, là, je ne veux pas trop en dire, sinon les gens vont être perdus. Mais moi, ma job, c'est vraiment Organiser tout ça, quoi. organiser tout ça au niveau de production, m'assurer qu'il y a des gens pour nous aider, que tous les gens soient bien, le bien-être des gens, bref, des invités, voilà. Et là, Côté. donc, c'est ton projet pour les prochains mois, c'est ça? Ouais, exact. Et pour la suite, tu veux continuer là-dedans? Ouais, c'est ça. Ouais, ça y En est. fait, ça va être une boucle. Ça va être une boucle et comme à peu près tous mes collègues, on fait FNC Québec Cinéma, FNC Québec Cinéma. Donc ça me permet d'avoir 6 mois dans une année. Donc, Était heureuse de ça. je suis tout à fait heureuse. Depuis, ça fait quoi, 1 an maintenant, je suis vraiment épanouie et je me sens vraiment bien. Tu Et je te sais sens que j'ai utile, vraiment quoi. grandi. C'est ça, je me sens, mais oui, mais utile à moi-même aussi. Je sens que j'ai trouvé ma place et que voilà. Donc Et ça n'a pas de prix. en quelque sorte, tu t'es un petit peu éloigné de ta partie, qu'on pourrait dire artistique dans la création, mais tu travailles toujours dans un milieu qui permet à d'autres d'exprimer leur création. Mais tu te sens mieux comme ça. Exact. J'adore aider les autres et le fait de leur donner, porter leur voix dans un festival, je trouve ça magnifique. Puis, je leur donne tout le mérite. Peut-être que j'avais peur du métier de monteur parce que c'était quand même quelque chose qui demande d'être en avant de la scène aussi parce que ta création est projetée comme ça et je pense que j'avais peur de ça à l'époque. Or là, je sens que je suis utile en étant un peu plus. C'est un peu triste de dire ça. J'ai l'impression de devoir être en arrière des coulisses, mais Mais non, j'aime mais en ça aider même temps, les autres. c'est primordial. En fait, c'est primordial qu'il y ait C'est des ça. gens à tous les postes pour que ça puisse exister et vivre. Donc, il faut juste Okay. trouver la place où on se sent bien. Et ça peut évoluer. C'est ça qu'on peut se dire aussi, c'est qu'il n'y a C'est pas ça. de. Peut-être On verra, quoi. Mais. que je vais être directrice de festival et qu'on va me voir partout sur les télés. Non, je rigole, non, On ne sait pas. c'est Non, vrai. non, mais On n'est pas rendu dans là. le sens là, tu te sens bien. Donc, c'est Je me sens génial. vraiment bien. C'est génial. Ouais. Écoute, ben merci de m'avoir partagé un petit peu ces coulisses de ta vie et aussi des festivals de cinéma. Tu sais, avant de finir, je fais toujours ça. Je propose un petit moment libre. C'est libre à toi. Donc, ça peut être une lecture, me montrer ton chat. Tu vois, Allez, là-bas. ouais, j'entends du mouvement où je te vois regarder. Ou une question, voilà, c'est un moment, on peut rester en silence. Et toi, je te laisse la parole, quoi. Et tu ne parles pas? Ah non, si Mais moi j'ai tu. envie de parler avec toi Ah ben, aussi. bien sûr. Non, non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un petit moment où tu peux me poser une question, tu peux me parler d'un truc que tu as vu, que tu as aimé, ou que. Voilà, c'est un petit moment libre pour l'invité. C'est ton espace. Est-ce que tu as quelque chose à dire, à faire? Dis-moi. Ben, pour peut-être conclure juste un dernier message que Oui? je dirais, ça serait que pour que les jeunes sortant de l'école n'aient pas peur je parle des jeunes cinéastes, de soumettre et de s'intéresser au festival. Parce que c'est quand même une grosse plateforme de projection. Et au final, je me souviens qu'on n'en parlait pas tant à l'école. Et c'est cette dérive-là, depuis le début qu'on en parle, qui m'a permis de découvrir ce milieu. Mais c'est tellement enrichissant et il faut que les gens s'y intéressent parce que ça peut être vraiment une belle porte d'entrée pour ton premier court-métrage ou même ton cinquième. Parce que ça va être un portfolio qui n'aura pas de prix auprès D'inciter tout des futurs candidats. simplement, ouais, Donc d'inciter tout vraiment. simplement les jeunes cinéastes à ne pas Exact. hésiter à aller À dans ne des pas hésiter. festivals et. Puis je veux dire, j'ai jamais rencontré des gens aussi généreux, donc on est prêt à juste recevoir un message, un email pour te dire je suis
je viens de sortir de l'école, j'ai pas d'argent, j'ai besoin de soumettre mon film, est-ce que vous pouvez le regarder, même me donner votre avis. Tu sais, nous, on est les premières à le faire, puis on est tellement heureux quand on voit un message comme ça, puis qu'on peut permettre à quelqu'un d'avoir une place dans notre programme. Enfin, je trouve ça génial, donc il faut vraiment que les gens aient... Faut pas qu'ils aient peur et qu'il y a des humains derrière les forms qu'on doit remplir sur Internet et qu'ils n'hésitent pas. On pense que les festivals, c'est gros, c'est énorme, puis c'est une industrie, mais zéro, on est des petites équipes et on est tout à fait humain parce qu'on a vécu les mêmes choses que les jeunes qui sortent de l'école. Donc en fait, c'est hyper enrichissant. Bah, écoute, merci beaucoup. Et puis pour finir, je demande toujours en un mot de me définir quelque chose. Le premier mot qui te vient à l'esprit, hein, ne te censure surtout pas. En un mot qui pour toi représente la joie. Le premier mot qui vient. Il y a toujours un petit moment de silence. Oui, je crois que mon cerveau, il est encore tôt pour moi. Non, il est midi, Marie, je réveille-toi. Il est midi, On a 6 heures de décalage. Quand je te dis joie, qu'est-ce que tu vois dans ta tête? Mais le problème, c'est que j'ai un mot, mais je ne sais même pas pourquoi il vient dans ma tête. Bah, vas-y. J'ai peur que c'est un mot et la personne... Mais j'ai le mot « temps ». Le « temps » Le temps, ouais. T-E-M-P-E-S P-S, ouais. Pardon. Tempes. Le temps qui passe, quoi. Le temps. Ouais, le bon temps, le temps qui passe. On va dire temps, le temps. Ouais, le temps. Ok. Est-ce que je vais dire un autre mot? Non, c'est génial. Non, moi, j'aime ça. Mais justement, parce que c'est des liens, voilà. Parfois. Joie égale temps pour toi. Et puis... Ouais, c'est parce que justement, tu l'as dit, c'est le bon temps. Le bon temps. Oui. Puis parfois, le temps qui passe aussi nous permet d'aller mieux. Laisser du temps, c'est important. Prendre le temps. Prendre le temps d'être heureux, prendre le temps d'être joyeux. Bah oui. Ouais, c'est pas super, ce mot, j'aime bien au final, je suis fière. Super. Bah écoute, Marielle, merci pour ce temps que tu m'as accordé. Et je te dis à très vite. Oui. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Bouche à bouche, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on réouvre très vite nos bouches.